want to welcome you all to this very important event with the four African presidents. It's a privilege for the United States Institute of Peace to be able to host this event and to welcome you today. USIP has a long history of involvement in various African countries, both working in country and holding events and writing about developments in various African countries. And it's because of this long history that the State Department asked us if we would host this event today. And there is literature on the table outside which describes some of the things we have been involved in. A couple of logistical details. One, please turn off your cell phones. Secondly, if your receiver is not working, if you would raise your hand and we can replace it with another one. After the presentations and a discussion among the presidents, there will be an opportunity for Q&A. At 2:20 and at 2:50, staff will be available to pick up your cards with your written questions. The questions can be written in either French or English. So it's now my privilege to introduce Tara Sonenshine, Executive Vice President of USIP, who will moderate today's event. Thank you, David. And let me begin by personally and formally welcoming our heads of state. You greeted as they came in. I welcome Assistant Secretary of State for Africa, Johnny Carson. And we welcome all of you in this room, those who did not get into this room. We welcome via the satellite, and we welcome via webcast. In a moment, I will introduce each president and direct a question. But let me begin by saying something to all of these presidents. It is one thing to have one president from West Africa come. Two would be very interesting. Three would be unheard of. Four at one time. I think there's only one word that translates in French and English, and that is wow. Your presence here as a group is very powerful. And I know that individually you hail from nations that have endured great pain and suffering, political instability, ethnic division, and fragility. But as a group, I must say you challenge all the old stereotypes about the African continent. By coming here as a group, you represent the great hope and the great promise of democracy and peace building. And so we salute your effort to come to Washington as a foursome. So thank you very much. So now the hard part, the tough questions. And the only thing we ask of those of you in the audience is to respect the US Institute of Peace decorum rules, which are very basic. We believe in disagreement, but we believe in disagreeing agreeably. We ask you not to shout out questions. You will have a turn in time to ask them, but we do pride ourselves on civil discourse here at the Institute. So with that, I'm going to travel to Benin, to President Boni Yayi, and it is really quite amazing. In some ways, you have the most experience with democracy of this club. But I do want to ask, now that you have a new five-year term, what concrete steps are you going to take to build on this legacy of democracy? What are you going to do to bring about real change? Madame, je voudrais, au nom de mes chers collègues, chers grands frères, chers cadets, présidents, au nom de nos États respectifs,
exprimer notre gratitude pour cette initiative qui a été prise et vous demander de transmettre nos remerciements, notre gratitude aux plus hautes autorités de la République fédérale américaine. Alors, vous l'avez, c'est une question qui ne nécessite pas une réponse, j'allais dire ponctuelle. Et la réponse évolue dans le temps. Mais aujourd'hui, je sais que le peuple béninois a décidé de régler ses problèmes par la démocratie. C'est un vent, aucun de nous ne peut, personne ne peut l'arrêter. Et c'est sur ce fond que les élections ont été organisées, avec l'aide de la communauté internationale d'ailleurs. Et nous avons cette fois-ci introduit des techniques modernes, c'est-à-dire par la biométrie. Donc, pour permettre aux électeurs de choisir dans la transparence et la paix leurs dirigeants. Ceci dans le cadre des présidentielles et dans le cadre des élections législatives. Alors, une fois que mon nom est sorti de cette compétition, donc j'ai compris que, comme l'aide de mission, c'est l'approfondissement de la culture démocratique. Et je crois qu'il doit poursuivre sur la même lancée. Et ça a été un des critères de choix. Deux, que ce renouveau démocratique approfondi soit accompagné du renouveau économique. Et je crois qu'en parlant de la démocratie, on a tendance à croire qu'il n'y a pas la question économique. Donc voilà, et en bref, ce que j'ai pu vous dire, je dois m'investir, et ceci, par tous les moyens pour amener le peuple béninois à avancer d'un pas ou de quelques pas s'agissant de l'approfondissement de la culture démocratique. Et sur cette base, Madame, comme je viens de le dire au Sénat tout à l'heure, la démocratie, comme l'a dit l'autre, c'est un voyage. On n'arrive jamais à destination. Mais l'essentiel est d'avoir le sentiment d'avancer. Et ce que sur la base du parcours que nous avons fait au Bénin, nous avons déjà compris qu'elle ne peut pas s'acoquiner avec la corruption. Elle ne peut pas non plus s'acoquiner avec l'impunité. Elle doit se reposer sur les principes de l'obligation des résultats et de l'obligation de reddition des comptes. Donc la gouvernance à tous les niveaux, je crois que laisser l'initiative aux uns aux autres de s'exprimer toutes les compétences. Et de ce point de vue, il faut faire attention, la démocratie a besoin de se nourrir. De se nourrir, d'abord, il faudra absolument que le peuple sache que ce n'est pas cette démocratie qu'il est en train d'avancer vers la prospérité. Si le peuple estime qu'en réalité que la misère, que cette démocratie eh bien, le plonge dans la misère, eh bien, cette démocratie n'évoluera pas. Donc c'est pourquoi elle doit s'accompagner du renouveau économique. Et de ce point de vue, ce qui nous propose une vision claire en termes de stratégie opérationnelle, en termes de plan d'action, pour aller la manière de créer la richesse. Mais l'État doit pouvoir jouer son rôle, ses fonctions régaliennes. L'État ne doit pas abdiquer, mais en matière de création de richesse qui doit nourrir la démocratie, puisque la misère n'aime pas la démocratie, donc l'État doit pouvoir organiser un partenariat public-privé dans des missions pour lesquelles il n'a pas la compétence de le faire seul. Donc le privé, les infrastructures, mettre en place les infrastructures et identifier les pôles de croissance, l'agriculture pour le Bénin et pour notre sous-région, la question agricole et les autres secteurs. Attention, le continent africain, je viens de le dire, est un continent d'avenir où tout reste à faire, mais c'est un continent d'avenir. On a besoin de la sécurité pour nos frontières.
qui doivent être d'ailleurs des frontières artificielles. Parce qu'en réalité, moi je suis ici, mon cher douanier est mon grand frère, même père, mais il est de l'autre côté en Guinée. Donc il n'y a pas de choses. Alors, nos frontières doivent être sécurité, et j'ai signalé tout à l'heure à l'attention des sénateurs les dangers qui nous guettent, les questions liées à la drogue, la circulation de la drogue et les problèmes de piraterie sur nos côtes. Voici les dangers à notre démocratie et à notre processus de production. Thank you. I'm going to go to your colleague on the border and introduce to all of you, of course, President Alpha Conde. Security and democracy, can they coexist? How are you going to manage both at the same time? Merci beaucoup, madame, d'avoir organisé cette réunion. Je crois que le problème de la sécurité est encore plus aigu chez moi que chez mon frère, parce que le Bénin a été le premier pays à faire une conférence nationale. Il y a une tradition démocratique qui s'est installée. Nous, c'est la première fois qu'il y a des élections démocratiques libres pour l'élection d'un président. Nous avons connu 50 ans de dictature, y compris des régimes militaires. Donc, nous sortons des régimes militaires avec une gestion très calamiteuse où nous devons prendre des mesures extrêmement difficiles pour la bonne gouvernance. Cela touchant beaucoup de gens. Et le problème de sécurité chez nous s'est manifesté, vous l'avez vu il y a quelques jours, par l'attentat qui a été fait contre ma vie, et Dieu merci. Donc on doit à la fois résoudre le problème de la sécurité sans porter atteinte aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales. La sécurité intérieure, mais aussi la sécurité dans la sous-région. Nous voyons par exemple après... What happened at your home, if you could explain... If you could explain what did happen in July so that the facts are clear as the media has muddled a bit the assassination attempt. What did happen? Bon, vous savez, j'ai délocalisé l'armée de Conakry. Les chefs militaires avaient de très grands avantages financiers. Et tous les contrats 2009-2010 ont été gelés par un audit de la Cour des comptes de France. Donc, cela a créé des mécontents au niveau des gens qui avaient des monopoles et des gens qui avaient l'habitude de piller ce pays. Donc, dans la nuit du 18 au 19, vers 3 heures du matin, il y a eu des tirs de bazooka et de... lance-roquette sur ma chambre. Mais je ne dors pas toujours dans la même chambre, tantôt je dors dans une chambre, dans l'autre. Il ne faut pas oublier que je suis un vieux militant qui a mené une longue lutte, y compris une lutte clandestine, et on ne perd pas toujours ses habitudes. Et je crois que mon frère Issoufou en sait quelque chose. Donc... La chance que j'ai eue, c'est que je ne dormais pas dans la chambre où ils pensaient que je dormais. Et sinon, il y a eu plus de 12 roquettes, de lance-roquettes et de bazooka. Mais Dieu merci, je m'en suis sorti. Nous avons arrêté la plupart des responsables, mais nous le faisons dans la transparence, puisqu'on a autorisé la Croix-Rouge à aller les voir. Mais comme a dit mon frère, c'est très bien la démocratie. Mais quand il y a la démocratie, le peuple a beaucoup d'espoir. Et moi, j'ai le désavantage par rapport à eux. Notre pays n'a jamais connu la démocratie. Elle a connu la mauvaise gouvernance. Donc le peuple pense qu'avec la démocratie, tout va changer brusquement. Or, il n'y a pas de baguette magique. Donc il est extrêmement important qu'on comprenne que s'il y a la démocratie, mais si ça ne change pas les conditions de vie du peuple, la démocratie ne peut pas faire avancer. Donc c'est pourquoi la priorité aujourd'hui en Guinée, c'est l'électricité et les denrées alimentaires qui sont fondamentales pour le peuple de Guinée, sans compter les infrastructures. Donc sécurité intérieure, mais sécurité aux frontières, avec la circulation des armes légères, surtout après la guerre civile en Côte d'Ivoire,
où beaucoup de combattants ont traversé les frontières. Donc cela aggrave le problème de sécurité à nos frontières entre nous et la Côte d'Ivoire, entre la Côte d'Ivoire et le Libéria. Et nous avons fait dernièrement une rencontre au Libéria dans le cadre de Manor River pour nous pencher sur ces problèmes de sécurité dans la sous-région. So it sounds like you've had your share of experiences with the problems of physical security and the country's security. Where do you see things going as you embark on your country's democratic journey? And of course, I'm delighted to introduce President Issoufou. Bien, madame, je voudrais vous remercier. Je voudrais remercier l'Institut de la paix pour avoir pris cette initiative. Effectivement, les problèmes de sécurité sont des problèmes qui nous préoccupent beaucoup, surtout pour un pays comme le Niger, qui appartient à la zone sahélo-saharienne, zone qui fait face à un certain nombre de menaces, la menace intégriste, la menace de l'ACMI, la menace des organisations criminelles, de trafic de drogue, de trafic des armes, la menace de ceux que nous appelons, en particulier au Mali et au Niger, les forces centrifuges qui vont de temps en temps en rébellion. Il se trouve que ces menaces auxquelles les pays du Sahel sont exposés sont amplifiées par la crise qui sévit actuellement en Libye, parce que cette crise a sur nous des conséquences sécuritaires importantes. Par exemple, le 12 juin dernier, il y a eu un accrochage entre les forces de défense et de sécurité du Niger et des trafiquants d'armes venant de Libye. Et ces trafiquants d'armes, on a saisi sur eux une quantité importante d'explosifs. Donc, les questions de sécurité sont des questions qui nous fragilisent, qui fragilisent la construction démocratique qui est actuellement en cours dans nos pays. Vous savez que le Niger vient de sortir d'une transition qui a été organisée après la crise politique que le pays a connue. Nous avons pu organiser des élections libres, transparentes, crédibles. Et à l'occasion de ces élections, j'ai eu à défendre un programme qui fait de la sécurité une des priorités, la priorité des priorités, parce que nous sommes convaincus qu'il n'y a pas de démocratie sans sécurité, il n'y a pas de développement non plus sans sécurité. Et c'est pour cela que nous voulons créer les conditions du renforcement de la sécurité, non seulement au Niger, mais dans l'ensemble de la sous-région. Et pour ça, nous envisageons deux solutions. Il y a une solution à court terme, qui est celle-là de nature sécuritaire, et une autre solution à long terme qui porte sur le développement économique et social. Parce que, comme on le sait, c'est la misère qui constitue le terreau sur lequel se développent les extrémismes, sur lequel se développe l'intégrisme et toutes les violences et tous les conflits que l'on connaît en Afrique. Donc le développement économique et social est indispensable pour consolider la démocratie, pour consolider la sécurité en Afrique et pour consolider les institutions, parce que votre président l'a dit à son passage à Accra, il a eu à dire que l'Afrique n'a pas besoin d'hommes forts, mais l'Afrique a besoin d'institutions fortes. Et nous sommes d'accord avec le président Obama. And strong women. This, of course, brings us to the very well-known, speaking of a man who has had to endure some crisis to arrive at your swearing-in, President Ouattara. We all know that it has been difficult to get where you are, but now that you're there, how to repair and heal the rifts in your country so that it can embark on its democratic journey along with your
colleagues. Je vous remercie d'abord cette invitation. Comme mes homologues l'ont dit, nous sommes très heureux d'être là cet après-midi, d'avoir une telle audience à l'intérieur comme à côté. Et j'ai également eu à remercier tout à l'heure les sénateurs Isaacson et Kunz pour le déjeuner qu'ils nous ont offert et surtout les échanges très fructueux que nous avons eus. C'est vrai, la démocratie avance en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest. Ça n'a pas été facile. Mon cas particulier a été suivi de manière très assidue ces derniers mois parce que nous étions dans une prison un peu confortable, je dirais. Dans un hôtel, ce n'était pas un 4 étoiles, hein, mais nous étions donc pendant 4 mois et demi dans un hôtel, empêchés de sortir, empêchés de recevoir des visites. Mais même les prisonniers ont droit à des visites, nous n'avions pas droit à cela. Et je salue en particulier l'ambassadeur des États-Unis et beaucoup d'ambassadeurs qui sont venus nous voir par tous les moyens, par la route, par hélicoptère, par pirogue, par bateau. Donc c'était des moments assez... Very creative ambassadors. Voilà. Donc merci, cher ami Carter. Mais en réalité, vous savez, c'est vrai, la Côte d'Ivoire a été divisée. La Côte d'Ivoire, pendant... plus de 30 ans a connu la paix, la stabilité, le progrès, le miracle ivoirien, tout le monde s'en souvient. Et la Côte d'Ivoire a eu des élections, je dirais, régulières et démocratiques, même sous le parti unique. Et avec le multipartisme, malheureusement, les choses se sont transformées alors que ce n'était pas nécessaire. Il suffisait de continuer les pratiques démocratique. C'est pour cela que j'insiste pour dire que tout n'est pas de faire des élections démocratiques, mais c'est de pratiquer la démocratie après les élections. C'est-à-dire le respect des règles, des lois, le respect donc de la liberté d'expression, le respect du choix du peuple, etc. Et cela n'a pas malheureusement survécu. Et nous sommes entrés dans une crise sans précédent, qui a conduit à des élections difficiles. Mais ces élections ont démontré néanmoins la maturité du peuple ivoirien. Je me souviens encore des élections en Afrique du Sud, du passage de l'apartheid à la démocratie. Le taux de participation, je crois, était de près de 76%. Vous savez, en Côte d'Ivoire, les deux tours des élections, le taux de participation était au-delà de 80%. C'est-à-dire que les Ivoiriens attendaient les élections patiemment, sans violence, pour se prononcer. Alors, nous nous sommes prononcés, j'ai été élu et, bien entendu, nous connaissons la suite. C'est-à-dire donc que j'ai hérité d'un pays où... on avait bafoué les règles élémentaires de la démocratie, où l'état de droit n'existait plus, où on avait amené l'armée à sortir de son rôle républicain. Ce n'était plus la grande muette, mais le grand brouhaha, puisque l'armée se mêlait de tout. Et tout cela fait que la reconstruction ne sera pas facile. Il faut un certain nombre de repères. D'abord, la réconciliation. Il faut remettre en réalité les choses à l'endroit, faire en sorte que le pays respecte les lois. Et cela passe par l'administration, cela passe par la justice, par l'armée, la police bien sûr. Et deuxièmement, que dans cet effort de réconciliation, que les uns et les autres se parlent et en même temps acceptent de reconnaître les erreurs et les torts. Et troisièmement, que la justice fasse également son travail. Alors donc, ce travail de reconstruction, de réconciliation, n'est pas seulement un travail philosophique, mais c'est du concret qu'il faut organiser et donner aux Ivoiriens.
Le deuxième chapitre, c'est la sécurité. Mes homologues en ont parlé. Je ne voudrais pas m'étendre là-dessus, mais en réalité, vous savez, les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Et surtout avec l'ère que nous vivons, Internet, où on vous voit tous les jours. J'ai dit souvent à mes enfants, je dis, mais écoutez, à force de nous voir tous les jours à la télévision, dans 2 ans, les Ivoiriens ne voudront plus me voir. Ils voudront voir un nouveau visage, parce que c'est naturel. Vous voyez, les gens veulent du nouveau, ils veulent du neuf. Et donc, on est dans une ère nouvelle. Et il faut s'adapter à cela, faire en sorte que, fondamentalement, on offre aux citoyens la sécurité. Mais cette sécurité doit s'accompagner de liberté, de respect des lois. Et en dernier lieu, je voudrais bien sûr parler du développement, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler plus longuement. We're going to be taking some questions from the audience, but while we get the questions up here, I'm going to put all of you on the spot because you mentioned that you've just come from Congress. You know you have arrived at a somewhat divisive time in our congressional politics and a difficult time with the economy both here and globally. So I'm going to challenge you to put on your political science hats and tell us what you make of Washington's democracy right now, and care to give us a bit of advice. But also, how you're going to make the case in this divided time when foreign assistance is being debated and discussed. So the first brave president that wants to comment on the climate of the country you've come into and how that will affect your own country. I'll start in Benin and our work around West Africa. Ben, madame, je crois que j'ai vu la vitalité de la démocratie américaine. Je crois que les débats qui se font en ce moment constituent un des attributs de la démocratie, l'une des plus respectées de notre planète. Alors, je ne suis pas dans le bain des choses que prévoient des dispositions légales, constitutionnelles, statutaires ou réglementaires. Il faut que je sois dans une pleine connaissance de tout ça. Mais moi-même, qui vous parle, je suis presque à quelques nuances près. J'ai vécu ce moment dans mon pays, au Bénin. Et ceci dans la manifestation de la démocratie béninoise, où notre constitution, à un moment donné, lorsque d'abord c'est un régime présidentiel, c'est-à-dire le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée, mais l'Assemblée ne peut pas faire partir le président. C'est le régime présidentiel. Alors, au même moment, lorsqu'il à un moment donné, eh bien, un projet de loi qui est soumis, par exemple, à l'Assemblée nationale est bloqué par l'Assemblée parce que, je crois, la raison de la situation qui aboutit à ça, c'est que le président n'a pas de majorité. Le président n'a pas de majorité. Ça a été mon cas. Et la majorité est dans l'opposition. Alors, il est arrivé des moments où la majorité a bloqué, je crois, la ratification de la constitution. So you don't have veto power over. You do not have veto power. Je n'ai pas. Alors, si il y a une formulation, le constitutionnaliste a prévu une disposition dans des cas où ce blocage doit continuer. Doit contribuer au blocage du fonctionnement des institutions. Ou lorsque le blocage doit empêcher
la République de respecter ses engagements internationaux. Alors, la Constitution prévoit une disposition qui permette au président de prendre une ordonnance et qui, pour sortir du blocage. Ah, mais dans des cas pareils, je crois, j'ai été contraint, au moment où j'ai été élu, comme disait mon prédécesseur, je me suis dit que je ne suis pas un médecin pour prendre des ordonnances et que j'allais tout faire pour m'entendre avec les parlementaires. Mais ça a été un pari, mais mes prédécesseurs sont passés par là aussi. Donc il faut s'attendre à la situation où il y a la vitalité de la démocratie. Donc le cas américain, à mon avis, il y a une certaine similitude. Alors la question que je viens de poser à mon ambassadeur, c'est de dire, mais est-ce que dans la Constitution américaine, est-ce qu'il n'est pas prévu une disposition qui permette au président de sortir du blocage? Et il m'a dit oui, pour un certain montant, c'est-à-dire il est question pour le président de demander un relèvement du niveau de la dette américaine. Et naturellement, l'autre camp estime que le niveau était déjà élevé et que il fallait réduire les dépenses sociales. And I didn't mean to get us into too much of the complexities, but any other thoughts on our climate in Washington from... Non, mais vous savez, peut-être pour être bref, la démocratie à l'américaine est la démocratie la plus avancée au plan des débats, des idées. Les républicains ont cette volonté de limiter les dépenses publiques et le plafond de la dette. Les démocrates, notamment le président Obama, considèrent qu'il a été élu sur un programme qui demande des dépenses sociales importantes. Mais nous sommes persuadés qu'ils arriveront à un accord. Tout ça, c'est très bien, mais ils n'ont pas le choix. Le leadership des États-Unis est tel qu'il ne peut pas y avoir de blocage de longue durée. Je crois aussi que ça arrive très souvent à l'approche des élections. Il va y avoir les élections l'année prochaine. Donc, il y a une compétition entre les républicains et les démocrates, chacun voulant montrer que c'est lui qui défend le mieux les intérêts des Américains. Mais ce n'est pas la première fois. C'est arrivé sous Clinton, mais ils ont fini par s'entendre. Parce que si l'Amérique ne peut pas être bloquée à partir d'un certain moment où il ne peut plus payer les salaires. Donc c'est plus l'approche des élections et la compétition qui explique cela. Oui, je voudrais peut-être joindre ma voix à celle de mes collègues pour dire que ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis est très instructif pour l'Afrique. Ça montre que, au fond, la démocratie est un système dans lequel un seul homme, fut-il président, ne peut pas décider seul. Et ça, c'est important, je crois, pour les pays africains. Aujourd'hui, le président Obama est confronté à ce problème de la dette publique qui a dépassé le plafond prévu par la loi. Donc, le jeu démocratique veut le fait que les États-Unis soient un État de droit. Le président doit se soumettre à la loi, donc il est obligé de discuter avec le Congrès, avec le Sénat, pour trouver une solution qui puisse permettre au pays de sortir de la situation dans laquelle il se trouve. Et d'ailleurs, tout à l'heure, quand on était au Sénat, nous avons été reçus par un sénateur républicain et un sénateur démocrate. Ça aussi, c'est une belle image, une belle leçon que les Américains donnent, en particulier aux Africains, parce que là, ils nous ont donné l'exemple d'une démocratie apaisée. On voit bien qu'il y a des adversaires politiques qui sont présents, mais qui se parlent, qui discutent. En démocratie, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires politiques. Et c'est un peu cela aussi que nous voulons faire dans nos pays, et en particulier au Niger. Nous avons essayé d'inculquer cette culture-là au peuple nigérien. Moi, je suis resté 20 ans dans l'opposition au Niger, et pendant
les 10 dernières années, de 1999 à 2009, j'ai fait une opposition constructive parce que j'avais estimé que dans la mesure où le peuple nigérien a eu à arbitrer à l'occasion d'élections et a eu à choisir quelqu'un, il faut respecter le verdict populaire, être constructif, créer les conditions d'une démocratie apaisée et créer les conditions du renforcement des institutions démocratiques et républicaines. Donc, ce qui se passe aux États-Unis est un bon indicateur pour nous. Alors, madame, moi, je voulais ajouter ceci, un cri de cœur à l'endroit du Congrès. Et comme l'a indiqué mon cher collègue, le président Alassane, c'est que nous prions qu'une solution soit trouvée, parce que quelle que soit la situation, ça a des répercussions sur le reste du monde, parce que l'Amérique est presque au centre de la Terre. Et aujourd'hui, tout blocage a des répercussions sur le marché, et la réaction du marché aura des répercussions sur le bien-être du reste du monde. Donc nous souhaitons qu'une solution soit trouvée pour le bonheur du peuple américain et du peuple du reste du monde. We have a few questions here for that revolve around really the issue of religious and ethnic divides. And one question is about North versus South, Muslim versus Christian issues for President Ouattara is to really talk about what you're going to do to resolve and to create reconciliation. For President Conde, the different groups, how are both of you concretely going to promote reconciliation for these religious and ethnic divides? Oui, je vous remercie. En fait, c'est vrai que pendant de nombreuses années, certains ont voulu transformer les difficultés politiques de mon pays en un problème religieux. Mais fort heureusement, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que le problème était plutôt identitaire et politique et non pas religieux. Et je crois que ceci se sait en Côte d'Ivoire. On a essayé de diviser le pays entre le nord et le sud, mais il y a pratiquement autant de nordistes au sud que de sudistes, entre guillemets. Donc, le mélange des religions, le mixage, le métissage est très élevé en Côte d'Ivoire, aussi bien dans les villes, au niveau de la classe dirigeante, que dans les villes et dans les villages, dans les villages et dans les campagnes. Alors, ce qui s'est passé, c'est le fond identitaire qui a été manipulé politiquement. Et ceci a conduit à une fracture, et cette fracture a été profonde. Maintenant, nous avons eu des élections démocratiques qui ont montré d'ailleurs qu'il n'y a pas vraiment de problème religieux, puisque je prends des parties de la Côte d'Ivoire où certaines religions sont majoritaires par rapport à ma propre religion, et ce sont des régions où j'ai fait 80%. Donc, ce n'est peut-être pas un problème religieux. C'était un problème de choix, de leadership, et basé sur les problèmes identitaires qui ont été manipulés. Ceci étant, le venin a été donc inculqué dans le tissu. Oui. The questioner, a few questioners are probing even deeper and more specifically about treatment of your opponents or those who supported your previous opponent, and the questioners are really asking how you will handle the very delicate issues of integrating those who were Oui, c'est ce que j'allais dire, qu'il faut, dans la réconciliation, tenir compte de toute la région de Côte d'Ivoire. C'est ça d'abord la chose de base. Et moi, j'ai comme philosophie que la démocratie veut dire aussi la protection des minorités. Parce qu'autrement, c'est trop facile. Quand on a une large majorité, on peut aller tout simplement à l'aventure. Alors, à partir de cela, je prendrai un exemple très simple. Je viens de mettre en place le Conseil constitutionnel le lundi dernier.
Et je me suis assuré que toutes les grandes régions de Côte d'Ivoire sont représentées. Et donc, que ce soit le nord, le sud, l'est, l'ouest, le centre, et surtout qu'il y a des femmes également au Conseil constitutionnel pour bien respecter la parité. Ce n'était pas la parité totale, mais sur les 6 membres, il y a tout de même 2 femmes. Le président du Conseil est un opposant de longue date, comme le professeur Alpha Condé. Le président Vaudier, qui est de gauche, moi je suis de droite, ou de centre, je dirais. Enfin, bref, c'est vous dire que c'est, la réconciliation veut dire ramener les gens ensemble, réapprendre à vivre ensemble, avoir une acceptation de l'idée de la nation et du citoyen. J'ai toujours indiqué que ce qui m'a frappé aux États-Unis, car je suis venu ici à l'âge de 20 ans, c'est de constater que les Américains, d'où qu'ils soient, quelques couleurs qu'ils soient, quelques religions qu'ils soient, ils sont d'abord Américains. Et c'est ce que je dis à mes compatriotes, il faut que nous soyons d'abord Ivoiriens. Le reste vient après. Ici, on a des Américains d'origine italienne, d'origine irlandaise, d'origine diverses origines, mais les gens ont une notion sacrée de la citoyenneté. Et moi, je voudrais parvenir à cela dans mon pays, et ça demandera des efforts parce que la division a été manipulée et utilisée. The question, it's interesting that somebody would pick out 2 groups, Malinka Fulani, mentioning specific groups in Guinea as if, again, it's with these ethnic divides in mind, and how do you handle, what's the concrete way to create reconciliation with different groups? Bon, vous savez, normalement, l'existence de plusieurs ethnies normalement est un signe de richesse parce que chacune apporte sa culture. Il y a un ministre algérien qui avait dit une fois, enrichissons-nous de nos différences. Malheureusement, en Afrique, c'est lorsque un homme politique n'a pas un programme crédible qui peut mobiliser la population qui recourt à des arguments irrationnels, la religion et l'ethnie. Sinon, ces peuples ont vécu pendant longtemps ensemble sans aucun problème. Ils sont mariés entre eux, etc. Mais c'est la vie politique et l'absence de programme véritable qui amène les gens à revendiquer la religion. Vote pour moi parce que je suis musulman ou bien catholique, ou bien vote pour moi parce que tu es de mon ethnie. Je pense aussi qu'il y a aussi l'effet de la colonisation. Dans la mesure où nos frontières sont artificielles, Alassane Ouattara est ivoirien, moi je suis guinéen, mais nous sommes de même ethnie. Bon. Donc ça veut dire que les ethnies chevauchent les frontières. Bon. En Guinée, il y a eu une histoire malheureuse à un moment donné qui a amené ce qu'on peut appeler des complots réels ou non réels, qui a déchiré le tissu social. Mais aujourd'hui, le problème, c'est la réconciliation nationale. Mais vous savez, les gens se trompent beaucoup. Ce n'est pas une affaire de Malinké ou de ceci. Alassane s'appelle, vous prenez mon premier ministre, s'appelle Fofana, il est Soussou. Mon ministre des Mines s'appelle Fofana, il est Malinké. Mon ministre des Transports s'appelle Traoré, il est Malinké. Mon gouverneur de Zéro Corée s'appelle Traoré, il est forestier, il est Kono. Donc il se trouve que la Haute-Guinée, la Forêt et la Basse-Guinée ont pour l'essentiel les mêmes noms. Donc, et très souvent, on vous dit, ah, ce sont des Malinké. Mais quelqu'un qui est Fofana, Touré, Sinla, Kamara, personne ne peut vous dire ici si les Malinké ou Soussou, si vous ne les voyez pas. Et la différence, c'est que les peuples ont des noms qui sont tout à fait différents. Parce qu'en fait, les 3 régions sont d'origine mandingue, mais ils ont évolué différemment.
Ce qui fait que sur les quatre régions, vous avez trois régions où les mêmes noms se retrouvent. Mais on a tendance plutôt, comme les Malinkés et les Peuls sont les deux ethnies les plus importantes, on a tendance à poser des problèmes en termes de Malinkés et de Peuls. Je pense qu'aujourd'hui, le tissu social guinéen est effectivement déchiré parce que les élections présidentielles se sont passées dans des conditions très difficiles. Mais il y a une nécessité de réconcilier les Guinéens. Il y a des extrémistes de tous bords qui essayent d'attiser les divisions ethniques, mais il revient à la grande majorité de se donner la main. Parce que comme j'ai dit aux Guinéens, personne ne viendra du dehors pour développer la Guinée. Moi, le président de la sécurité m'a condamné à mort pour la contumance. Il est malinqué comme moi. Mais j'ai organisé la lecture du Coran à la mosquée pour que son âme repose en paix. Le président Conte m'a mis en prison 2 ans et demi. Mais j'ai organisé la lecture du Coran dans son village pour que son âme repose en paix. Par là, je montrais aux Guinéens que nous devons, bien sûr, nous devons nous regarder en face. Nous devons regarder notre histoire dans ses aspects positifs et ses aspects négatifs et nous assumer comme les Sud-Africains se sont assumés. Et ce n'est pas facile parce qu'il y a eu beaucoup de morts sur la Première République, beaucoup sur la Deuxième République. Il y a eu le 28 septembre 2009. Donc tout cela fait qu'il y a beaucoup de haine accumulée. Mais si nous voulons réellement que la Guinée s'en sorte, il faut que nécessairement le peuple de Guinée se réconcilie avec lui-même. Peut-être, madame, avant de passer, je voudrais intervenir par rapport à cette question qui ne m'avait pas adressée. Elle est adressée aux deux chefs d'État. Mais je me permettrai de faire un commentaire parce que le Niger constitue un contre-exemple. Parce que souvent, de vue d'Occident, l'Afrique, c'est une mosaïque de tribus, une mosaïque d'ethnies qui s'étripent, qui sont dans des conflits permanents, dans des guerres fratricides. Mais ce n'est pas le cas, par exemple, d'un pays comme le Niger, où un travail important a été fait par les partis politiques, par la société civile, pour créer les conditions d'une prise de conscience politique au niveau des Nigériens, d'une certaine conscience nationale au niveau des Nigériens. Et quand on a démarré le processus démocratique au début des années 90, il y avait des responsables politiques qui avaient décidé de mettre en place des partis ethniques, des partis régionalistes. Mais aujourd'hui, au Niger, on se rend compte que tous ces partis-là qui ont été créés sur des bases identitaires sont en déclin. Et c'est les partis qui ont une vision nationale, qui ont des programmes, c'est eux qui se renforcent. C'est le cas de mon parti qui, depuis 20 ans, a pu progresser jusqu'à conquérir le pouvoir aujourd'hui, mais sur la base d'un programme, sur la base d'une vision. Et aujourd'hui, on peut se féliciter au Niger que les problèmes identitaires sont pratiquement inexistants au niveau des élections. L'exemple que je peux donner, c'est les dernières élections qui ont été organisées. J'étais face à un candidat d'un autre parti et j'ai eu un soutien important dans sa région. Et lui, il a eu des votes massifs dans ma région, ce qui prouve que les électeurs ne sont pas comportés, n'ont pas voté parce que tel candidat est de telle ethnie ou de telle région, mais ils ont fait un choix sur la base des programmes présentés par les différents candidats. Donc, je me permets de citer ce contre-exemple-là que constitue le Niger. L'Afrique, ce n'est pas toujours les tribus, ce n'est pas toujours les ethnies. Je vous remercie. So we have two questions that you will love, all of you. I don't know if somebody from your delegations put these questions here because you will really enjoy them. One is about educated Africans in the diaspora. What can they do to help their countries of origin? And the second is what can be done to spur private sector investment. You could not ask for two questions. So diaspora and encouragement, what concretely can educated Africans from around the world do to help, and then how to encourage economic growth? So I will let you fight over those questions. Oui, c'est important, je dois dire. Moi, je me considère de la diaspora aussi. Hein. Parce que
Je crois que j'ai passé plus de temps à Washington et aux États-Unis qu'ailleurs, qu'en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ou en France. Alors, donc j'encourage tous mes compatriotes de la diaspora à rentrer en Côte d'Ivoire. Partout où je vais, depuis que j'ai prêté serment, je suis allé au Sénégal, au Burkina, en France, au Togo, et partout j'ai rencontré mes compatriotes pour leur dire « revenez ». Parce que le pays est maintenant un pays démocratique, les libertés fondamentales seront respectées, l'état de droit, nous ferons en sorte que les possibilités, les opportunités d'investissement également soient donc ouvertes à tous, mais plus particulièrement à nos concitoyens. Et beaucoup ont travaillé dans des petits métiers ici et ailleurs. Et donc, ils ont une expérience qu'ils peuvent apporter, qu'elles peuvent apporter. Et je pense que maintenant, c'est à nous de créer l'environnement nécessaire pour leur permettre de rentrer. Et retourner au pays ne veut pas dire aller tout simplement à la présidence de la République ou dans la fonction publique. Ça veut dire également aller dans le secteur privé, que ce soit avec des grands groupes qui investissent dans nos pays ou même... You're not offering your job to them. Mais il y a des élections dans 4 ans, madame. Il y a des élections dans 4 ans et donc il faut que la démocratie se passe. Mais je veux dire que non, nous avons créé, par exemple, une base de données à la présidence, mais également à la primature. Je prendrai juste une minute pour dire, par exemple, pour un certain nombre de postes de très haute qualification, le centre des investissements ou la Société nationale d'informatique, etc., le Premier ministre a fait un appel d'offres en matière de communication, en matière d'ingénierie, de surveillance des travaux. Et vous savez, à notre grande surprise, nous avons pris un grand cabinet international, Ernst & Young, pour traiter ces informations. Et nous avons reçu en quelques jours 566 candidatures pour 4 postes. Alors, c'est dire que dans la diaspora, il y a des personnes de très haute qualité, de très haute qualification. Maintenant, ce que nous avons décidé de faire, c'est surtout ces postes où il faut une très haute technicité, une très grande expérience, c'est de rétrécir, le choix de ce cabinet, pas le nôtre, jusqu'à 3 ou 4 personnes par poste qu'on nous soumettra et parmi lesquelles maintenant, après interview, nous allons les sélectionner. Donc, il y a de la place. Hein? Et puis, ce sera une économie en expansion. Ça veut dire qu'il y aura des créations d'emplois. Si j'étais un jeune ici, 25, 30, même, je dirais 40 ans, je dirais que c'est le moment de rentrer parce que c'est maintenant qu'il y a des postes à prendre. Mmh. Ah, oui. Donc, rentrez, s'il vous plaît. Well, some more pitches, I'm sure. Je crois que... Donc, par rapport à cette question... Moi, je me rappelle d'une étude qui a été faite par la Banque mondiale sur les transferts financiers que font les différentes diasporas dans leur pays d'origine. Et la dernière étude indique que les différentes diasporas transfèrent dans leur pays d'origine 500 milliards de dollars. C'est pratiquement le double de l'aide publique au développement. C'est pour dire que les diasporas constituent un apport économique important pour leur pays d'origine. C'est pour cela, en ce qui nous concerne au Niger, nous essayons de créer les conditions pour que la diaspora nigérienne ait le regard sur le pays. On essaie de les attirer d'abord sur le plan politique, et également, on les incite à investir sur le plan économique au Niger. Sur le plan politique, on veut que la diaspora nigérienne soit représentée, par exemple, à l'Assemblée nationale. Et sur le plan économique également, il y a des dispositions d'incitation au retour que nous sommes en train de mettre en place. Et comme en Côte d'Ivoire, nous avons décidé de créer, pour citer un exemple, pour inciter les Nigériens à rentrer au Niger, de créer un projet qu'on appelle projet vivier de compétences. C'est un projet, une banque de données qu'on veut constituer avec toutes
tous ceux qui souhaitent s'inscrire dans ce fichier-là, afin qu'on identifie partout dans le monde où se trouvent les compétences nigériennes qu'on puisse utiliser dans le cadre de la gestion du pays. Donc, voilà, en ce qui concerne le Niger, ce que nous sommes en train de faire, en particulier dans les domaines des ressources minérales, exploitation de l'uranium, exploitation du pétrole, parce que bientôt le Niger va produire son premier baril de pétrole. Et vous avez, dans votre question, en même temps parlé d'investissement privé. Nous venons récemment de décider de transmettre au Parlement une loi pour promouvoir le partenariat public-privé afin de mobiliser les investisseurs, non seulement nationaux, mais également les investisseurs étrangers, en particulier les investissements directs étrangers qui sont extrêmement importants pour notre économie. Le cas de la Guinée est un cas assez particulier parce que pendant longtemps, on a opposé les Guinéens de l'intérieur à la diaspora. On a fait croire que les Guinéens de l'intérieur n'aimaient pas la diaspora. Mais moi, je ne pense pas qu'il y ait un seul Guinéen ici qui soit plus diaspora que moi. Donc si réellement le peuple de Guinée ne voulait pas de diaspora, je ne serais pas président aujourd'hui. Je pense que la Guinée a une chance qu'a connue les États-Unis au XIXe siècle. Nous avons beaucoup de cadres à l'extérieur. Et j'ai dit que si ces cadres viennent, ça sera un peu comme le melting pot américain. Seulement, il y a un problème concret. En Guinée, les salaires sont très bas. Donc nous avons demandé à la Banque mondiale et à la BAD de nous faire le projet Top 10 qui nous permet de faire entrer des cadres guinéens, mais en payant des salaires de coopérants. Exactement ce qu'a fait le Rwanda. Si aujourd'hui le Rwanda connaît un véritable développement, c'est parce que beaucoup de Rwandais qui étaient à l'extérieur sont rentrés. Donc il est extrêmement important pour nous de faire revenir la diaspora guinéenne, d'autant plus que la fonction publique guinéenne a vieilli. Nous voulons moderniser la fonction publique, mais pour moderniser, il faut avoir des gens qui maîtrisent les nouvelles technologies. C'est pourquoi nous avons mis en place une commission tripartite, gouvernement, syndicat et patronat, pour nous mettre d'accord sur la retraite, parce que si les retraites sont minables, les gens n'ont pas envie d'aller à la retraite. Donc nous allons créer des conditions d'une pension décente afin de pouvoir mettre à la retraite tous ceux qui ont l'âge de la retraite pour rajeunir et féminiser l'administration. Il y a déjà des cadres qui rentrent, mais d'autres, c'est difficile de demander à quelqu'un qui touche 2 000 $ par mois aux États-Unis d'aller toucher 300 $ à Conakry. Donc il faut qu'on ait, nous sommes en train de négociation donc avec la Banque mondiale pour que c'est, au lieu de faire venir beaucoup d'agents techniques européens ou autres, de faire venir ces cadres, parce que c'est une très grande richesse pour la Guinée et qui peut nous permettre d'aller très vite. Nous encourageons aussi ceux qui ne souhaitent pas rentrer, au moins d'investir et de trouver des partenaires pour venir investir. Mais aujourd'hui, Guinée de l'intérieur et de l'extérieur ne se pose plus. C'est avant que ça se posait, mais les Guinéens de l'extérieur savent aujourd'hui qu'il n'y a pas de différence entre Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur et que les Guinéens de l'intérieur, ce sont les dirigeants qui créent cette opposition artificielle, mais au niveau de la population, ça n'existe pas. Sinon, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Bien, moi je crois que tout a été dit. Vous savez que le Bénin, on disait que c'est le quartier latin. Yes, but we're actually going to begin our wrap-up, and we're going to begin end where we started in Benin. I'm afraid there are so many questions that we can't get to, some probing about parliamentary elections and concern over local and parliamentary elections, concerns about media. But we would have to, you would miss your meeting with President Obama if we answered all of these. So I will end by asking, as you prepare to go to the White House tomorrow, give us a preview of what you will be hoping for, asking for. What will make this trip successful for you, President
Boni Yayi. C'est moi qui commence. Mais c'est toi qui conclut. You'll start the ending. Merci pour conclure. D'abord, je remercie le président Obama d'avoir pensé à inviter autant de chefs d'État et africains, ce qui témoigne si besoin en était encore de l'attention que le président veut vraiment donner au partenariat entre l'Afrique et les États-Unis. Donc, d'une manière générale, je vais le rassurer, pour ma part, de la nécessité de tout faire pour que le partenariat qui a démarré, si bien à travers les nombreuses initiatives qui ont été prises par la Grande Amérique. Je fais allusion aux initiatives MCC, l'autonomisation des femmes, l'accès à la justice, etc. Autant d'initiatives, à mon avis, qui concourent à renforcer les réformes structurelles d'éradication de la pauvreté, que ces initiatives soient maintenues, bien que nous soyons conscients des difficultés que traverse aujourd'hui toute la planète. Et puis proposer, mettre l'accent, dire au président de tout faire pour créer un forum États-Unis-Amérique. Autant on parle de forum économique Japon-Afrique, Corée-Chine, Afrique, il faut qu'on parle de États-Unis-Afrique, le forum économique, que nous puissions nous retrouver au plus haut niveau pour que nous puissions vraiment pouvoir approfondir le partenariat sous toutes les formes entre l'Amérique et le continent africain. Et enfin, attirer son attention sur la nécessité de travailler pour une Afrique unie, c'est-à-dire sécuriser les frontières. Donc, je viens d'en parler tout à l'heure, les fléaux qui guettent aujourd'hui la paix et la démocratie en Afrique, en ce qui nous concerne, c'est la question de la circulation des armes légères, la drogue, les stupéfiants, les faux médicaments, etc. Quelle stratégie? Deuxième élément, la piraterie de nos côtes. Comment faire? Je pense, à mon avis, je vais l'informer en disant que j'ai saisi le Conseil de sécurité pour que ce qui a été fait pour nettoyer les côtes somaliennes en matière de mesures de sécurité soit dupliquée au niveau de tout le golfe de Guinée et pour que les pays partenaires, la communauté internationale puisse envoyer une flotte qui soit capable de sécuriser également le golfe de Guinée. Voilà autant d'éléments, madame, des points sur lesquels certainement j'attirerai l'attention du président Obama. President Conde, how will you use your time with the president? How will you, what's on your short list? Je crois qu'il conclut. Non, je pense, comme je l'ai dit, le cas de la Guinée. No, we're all going to conclude. Le cas de la Guinée. Le cas de la Guinée est différent des trois autres cas parce que ils ont connu une pratique démocratique, surtout le Niger a connu beaucoup d'alternance, le Bénin aussi. La Guinée n'a jamais connu d'alternance démocratique et n'a jamais connu de bonne gouvernance. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai hérité d'un pays, pas d'un État. Donc, il y a un État à construire dans tous les domaines. C'est le paradoxe, c'est que la Guinée est le château de l'Afrique de l'Ouest. Nous n'avons pas d'eau, nous n'avons pas d'électricité. Nous sommes considérés comme un scandale géologique et agricole, mais nous sommes un des pays les plus pauvres et tout est prioritaire chez nous aujourd'hui. Donc, nous allons demander, le plus important pour nous aujourd'hui, c'est d'atteindre le point d'achèvement du PPT au niveau du Fonds monétaire international afin que la Guinée puisse repartir sur de bons pieds. Donc, nous allons surtout insister sur l'aide que les États-Unis peuvent nous apporter au niveau du Fonds monétaire, la Banque mondiale,
mais aussi au point de vue de la sécurité dans le pays, et le fait aussi que la démocratie sans développement risque d'aboutir à l'impasse. What can President Obama promise Niger tomorrow that would you could take home to your people? Bien, je vous remercie. J'aurais voulu peut-être réserver la primeur de certaines questions que je souhaite aborder avec le président Obama. J'aurais voulu laisser la primeur à Obama lui-même. Donc, mais néanmoins, je suis d'accord avec mes collègues, ceux qui m'ont précédé, le président Yayi Boni, le président Alpha Condé. C'est certainement autour de ces questions qu'ils ont soulevées que vont se dérouler les entretiens entre le président Obama et nous-mêmes. Je vous remercie. So on, before we close, I want to give the last word to you, sir, to wrap up our conversation and really what you hope this visit can accomplish so that you leave with hope and promise for the road ahead. Oui, je vous remercie. En fait, comme Youssoufou, je crois que vous avez tout dit. Hein? Mais ceci étant, moi, j'ai vécu longtemps aux États-Unis et je me souviens qu'il y a 30-40 ans, les États-Unis... Les gouvernements américains successifs pensaient que la dictature était la solution à la stabilité et au développement. Et il y a eu des investissements massifs dans certains pays latino-américains pour préserver cette stratégie. Bien sûr, les États-Unis ont changé, le monde a changé. Et donc, notre message au président Obama, c'est d'abord un message de remerciement, de reconnaître que c'est plutôt la démocratie qui doit être privilégiée et que parce que la démocratie, c'est la voix du peuple, c'est en réalité les aspirations de la majorité et que la démocratie a besoin d'être nourrie. Elle a besoin d'être renforcée, pas seulement dans les quatre pays que nous représentons, mais également sur l'ensemble du continent. Et donc, c'est un message très fort de nous inviter, ces quatre pays où il y a eu des élections démocratiques. Mais pour que cette démocratie puisse se renforcer et être un exemple pour la population elle-même et pour le continent et le monde, il faut qu'il y ait la sécurité, mais il faut qu'il y ait le développement. Et ça, ça demande de l'argent, ça demande des dollars. Voilà. Well, on that financial note, let me ask that everyone remain, please, in their seats. You'll be able to rise in acknowledgement of these wonderful heads of state, but then please remain in the room so that they can safely exit. On behalf of the United States Institute of Peace, I thank each of you and collectively as a group for sharing your life's experiences and insights with us today. So ladies and gentlemen, if you would rise and stay in place, we'll allow the presidents to depart.